Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle recette. Aujourd'hui une recette One Pot, une version riz et saucisse. Je n'ai pas trouvé plus original en termes de nom. Donc simple à faire, comme une One Pot. Trois étapes seulement. Vous allez avoir un plat d'une consistance comme si c'était un risotto. On y va ? Alors pour cette recette, on va avoir besoin de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 oignon, 1 poivron, 2 saucisses. J'ai pris des saucisses de Montbéliard. Vous pouvez utiliser aussi des saucisses fumées pour apporter un goût supplémentaire à votre plat. 200 g de riz, 1 bouillon de volaille ou de légumes, 4 gousses d'ail, 400 g de pulpe de tomate, ça correspond à une boîte, 400 g d'eau, du sel, du poivre. Vous pouvez mettre en option du tabasco ou de la sauce Worcestershire. C'est ce que je vais utiliser pour cette recette. Petite précision pour le riz, j'ai utilisé un riz long avec une cuisson de 10 minutes. On y va ? Alors c'est très simple, pour commencer je mets l'oignon, l'ail que j'ai dégermé et le poivron. Et j'ai mixé 5 secondes vitesse 5. Je racle la paroi. J'ajoute l'huile d'olive. Et le riz. Et je vais faire revenir 10 minutes à 100 degrés, vitesse inverse, mélange. Je vais bien mélanger et là je vais ajouter le reste, mes ingrédients, c'est-à-dire l'eau, la pulpe de tomate, le bouillon, ma sauce Worcestershire, donc je mets l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe, du poivre. Je rajoute pas de sel là parce que j'ai mis de la sauce Worcestershire qui est déjà salée. Et enfin le dernier ingrédient, et ceci ce que j'ai. Donc là, comme j'ai pris un riz du cuisson de 10 minutes, je mets à chauffer 20 minutes à 100 degrés en inverse vitesse 2. Alors il ne me reste plus qu'à servir. Alors comme vous pouvez le voir, la texture est proche d'un risotto. Plus qu'à se refroidir un petit peu avant de manger. Pour 3 à 4 personnes, ça dépend des mangeurs, mais je pense que si c'est 4 petits mangeurs, il n'y a pas de soucis, sinon c'est 3 mangeurs. Tout simple à faire. Merci de m'avoir regardé, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Au revoir.